Bonjour à tous, bonjour Xavier. Bonjour Jérôme. On a la chance de recevoir aujourd'hui Xavier Capdeville qui représente la marque Chiruka en France. Tout à fait, en France. Ouais. Voilà. Pour vous parler de l'évolution du modèle Samoyedo qui est ici présent, qui est un modèle qu'on adore chez chasseur.com, qu'on connaissait dans la version précédente et qui là vient apporter de réelles innovations en termes de résistance et d'utilisation. Bon, d'abord, je vais parler de Chiruka deux secondes. Chiruka, c'est le plus grand fabricant de chaussures espagnol, spécialisé dans tout ce qui est l'outdoor et dans le milieu de la chasse. Toujours Gore-Tex, toujours Vibram. Ok ? La base. La base. Pour nous, c'est la base, quoi. L'Espagne est quand même un pays de cailloux, donc la technicité est bien connue là-bas. Cette botte Samoyedo, c'est de la version V2, comme tu viens de dire. Donc l'an dernier, on avait sorti un premier produit qu'on a voulu améliorer pas dans son look, on a gardé à peu près le même look. On est sur un produit qu'on améliore en termes de résistance à l'eau, à l'étanchéité, et résistance à la végétation difficile, au milieu fermé, ainsi de suite. Mais pas que, parce que beaucoup de gens aujourd'hui utilisent cette botte-là pour aller uniquement en forêt sans rentrer dans du milieu fermé. Dans notre jargon de chasseur, le milieu fermé, c'est un milieu particulier. D'accord. Donc on peut aller en forêt avec partout. À qui se destine cette chaussure-botte, puisqu'on est sur l'intermédiaire, le meilleur des deux mondes, on va dire, entre les deux, à quel type de chasse est-elle destinée? C'est tout d'abord la chaussure du chasseur qui va aller au bois, qui va être bécassier, chasseur de grand gibier, de sanglier, mais tout aussi celui qui va aller dans la plaine et qui ne voudra pas s'embêter, qui ne voudra plus mettre une guêtre, qui ne voudra pas avoir des herbes qui vont rentrer dedans, ainsi de suite, quoi. On va aller dans la ronce, on va aller dans l'épine, on va aller dans l'herbe humide, dans l'herbe haute, dans la ronce, dans tout ce qu'on peut imaginer sur le terrain. On vient garantir à ce type de chasse, que je la connais un petit peu, à la fois la résistance, avec un modèle, on vous remarque, qui est très bien conçu et tu vas nous en parler un peu plus en détail, et l'étanchéité, jusqu'un peu en dessous du genou, on va dire. C'est pas une botte caoutchouc. C'est pas une botte caoutchouc. Pour nous, dans notre jargon, l'étanchéité, c'est la botte. La botte est totalement étanche. La chaussure, elle est membranée en Gore-Tex, et le Gore-Tex, il y a un niveau donné où il sature et l'eau peut passer dedans. Ok. C'est le distinguo entre du caoutchouc et du cuir. Donc franchissement d'une rivière, aucun problème. Pas de souci, de flaque. Passer dans l'humidité, c'est le statique. Les herbes hautes, voilà. Le statique, par contre, sera pas. C'est pas une botte caoutchouc. Mais celui qui l'utilise ne voudra pas mettre de botte de caoutchouc parce qu'on ne peut pas marcher avec une botte de caoutchouc sur long terme. Évidemment, on a beaucoup plus de confort. Est-ce que tu peux nous parler, Xavier, un peu des principales caractéristiques techniques du modèle Samoyedo? La hauteur de la chaussure, de la jambe, est faite sur trois couches. C'est-à-dire que nous avons inséré une membrane imperméable, sur l'extérieur, un cordura renforcé pour résister à la végétation, et à l'intérieur, une doublure qu'on a choisi noir pour des questions salissantes. L'an dernier, on avait deux couches, on a trois couches cette année, et on a une membrane nettement plus efficace. Ce qui est pour moi le point le plus important, c'est qu'on a une patte de fermeture de serrage très large et en cuir. Elle fait 7 cm. Et très épaisse aussi. Ouais, elle fait 7 cm. Il faut se dire que quand on marche dans la végétation, la ronce, la cisaille, va toujours, l'effet de cisaille, il est à ce niveau-là. Il n'y a pas mieux que le cuir pour résister à l'effet de cisaille. Bien sûr, le cuir va se marquer, comme notre peau, mais il va tenir. Oui, il va tenir beaucoup moins vite. Donc quand on l'ouvre, on a un gros crash, gros scratch sur le dessus. On a un scratch intérieur aussi qu'il faut tenir. Donc, et on a trois piqûres sur le côté, deux piqûres centrales, trois piqûres sur l'autre côté aussi pour garantir qu'il n'y ait pas un effet arrachage. Donc quand on l'ouvre, on a cet effet, moi je dirais cet effet bouclier quelque part. Quand on rentre dans le sale, on a le bouclier dedans qui va absorber le choc. On a un pare-pierre intégral qui prend de l'arrière large jusqu'à l'avant. On a bien un effet fusée qu'on peut retrouver dans les balles, c'est-à-dire qu'on n'a pas de logique d'accroche. La couture du dessus passe par le dessous. Ouais, pour glisser sur les ronces. C'est un effet un peu aérodynamique. Quand on rentre dans le sale, on n'a pas besoin d'accroche. Une conception resserrée sur la jambe pour limiter l'accroche dans la végétation. Pareil, on a trois coutures à chaque niveau. Triple couture à chaque fois, donc pour relier le corps de la chaussure avec le pare-pierre. Pour continuer sur la partie étanche, à l'intérieur de ces fils-là, il y a une soudure chimique pour empêcher l'humidité de rentrer par les trous de couture. D'accord. Solidité, la résistance à l'eau, la guêtre, la résistance à la végétation du pied et la résistance à tout ce qui peut être choc frontal, déchirement du haut de la patte. Tout ça monté sur une semelle Vibram haut de gamme. Cranté naturellement, c'est du pur caoutchouc. Alors chez Chiruka, on a un Vibram qui permet
légèrement la bascule du pied et la relance. Ok. C'est la volonté de Chiruka. On a plusieurs types de semelles Vibram. On parle des types de semelles Vibram très très dures, où là on a un effet qui peut paraître solidité, mais qui est beaucoup plus un taper du pied quand on marche. Et chez Chiruka, on a ce côté-là, mais on a, sur la bascule, on a le pied qui repart. Sur l'avant. Okay. Ça aide surtout en fin de journée. J'imagine. Quand le chasseur en a plein les bottes. Pourtant, on est sur un modèle qui se veut relativement léger quand on prend la chaussure en entièreté, quand on voit toute la technicité, l'apport de la guêtre, d'une semelle très épaisse aussi. Le Gore-Tex, tu m'as parlé d'un fil très spécifique, oui. Qui est le fil... Le Tenara. Tenara. Le Tenara. Le Tenara, c'est une marque connue, c'est un fil qui sert à tout ce qui est couture, tissage, qui va à l'extérieur. Donc, il y a une résistance plus importante. On sort de la chaussure classique. On a pris un fil qui sert à faire de la bâche extérieure, des mobiliers de jardin, qui est donc soumis à toutes les températures, au soleil et au froid. Et au froid. Donc on sort de la couture d'un chausseur. Okay. Toute la chaussure est cousue en Tenara. Ok, très bien. Autre détail technique qu'on apprécie beaucoup sur ce modèle-là, la fermeture étanche. Oui, tout à fait. Si on l'ouvre, on a un zip étanche. Et on a surtout cette grosse patte qui protège le zip. Donc l'eau ne doit pas rentrer. Ok. Et à l'intérieur donc, de cette guêtre, on va retrouver une chaussure qui apporte elle aussi beaucoup de technicité avec une doublure entière Gore-Tex. La doublure est totalement Gore-Tex, la chaussure. Gore-Tex. Serrage millimétrique BOA. BOA, garantie à vie. Parfait. Que demander de plus? Les fils sont des fils d'acier. Fils d'acier gainé. Gainé, d'acier. Ok. Et puis, petit détail aussi sympa, on a affaire à un modèle qui est assez technique. On a des doigts plus ou moins gros chacun, mais on a quand même cette accroche qui facilite le fait de chausser confortablement ça. C'est du confort sur l'arrière. C'est du confort de la mise en œuvre. On va beaucoup plus vite en mettant sa chaussure en la tirant. Oui, mais c'est des détails techniques qui sont importants. On voit que c'est soigné. Comment est-ce qu'on entretient bien son modèle Samoyedo? Il y a deux entretiens sur une chaussure primordiale. Il y a l'entretien du cuir, qu'il y a avec une crème qui va nourrir le cuir pour éviter que le cuir se craquelle, se dessèche. C'est très important. On a peu de cuir, on peut le faire sur la pâte, mais on va revenir sur la pâte. On a un cuir qui est un cuir brut dans notre jargon, donc c'est un cuir qui nécessite peu d'entretien. Peu d'entretien. L'idéal, il faut avoir tout simplement dessus un spray imperméable pour retarder l'effet humidité sur la chaussure. C'est pas une question de pénétration de l'humidité à l'intérieur. Le spray fin dépose un film et ce film retarde l'humidité extérieure. La pénétration de l'humidité. Et on peut en mettre autant qu'on en veut, c'est pas lié. Okay. Par contre, ne jamais mettre un spray quand la chaussure est humide, parce qu'on va piéger l'humidité dans la chaussure. Ok. Évidemment, on nettoie à l'eau claire le plus simplement possible et on à la brosse. Sécher. On fait sécher et on nettoie à la brosse. Ok, on fait sécher à l'air ambiant, température ambiante, pas de... Le cuir n'aime pas. Le cuir ne sèche pas, il brûle, se dessèche. Donc mettre tout ce qui est cuir devant une cheminée, devant un chauffage, devant une chaudière, va le dessécher. No way. Merci beaucoup, Xavier, pour la présentation. Je suis content de montrer cette version 2, parce que même si elle a le look de la version 1, c'est une nouvelle chaussure. Ouais, on sent en tout cas tout le soin qui a été apporté. On sent que vous avez écouté les retours de vos clients aussi sur la conception de cette chaussure. Donc ça, c'est très bien, digne des plus grandes marques. Donc la chaussure Samoyedo de Chiruka, que vous pouvez retrouver dès à présent sur chasseur.com. Merci beaucoup, Xavier. Merci à vous de m'avoir reçu. À bientôt.